Fidèle au respect de la parole donnée, le président Nathaniel Koti a fait construire le CEG de Vessamé, situé dans la commune de Wenhi, arrondissement de Sagan. Cet établissement permettra aux apprenants d'étudier dorénavant dans de bonnes conditions. Il est composé d'un module de 6 classes avec une capacité de 50 élèves par salle. L'infrastructure est équipée en mobilier et porte les griffes de la fondation. En fils digne de la commune de Wenhi, vous avez agi spontanément au profit des âmes innocentes qui viennent ici chercher le savoir. Puisse le Seigneur, le Tout-Puissant et les mânes de nos ancêtres vous bénir et vous accorder beaucoup plus de prospérité afin que vous puissiez multiplier ces actions chez nous et ailleurs. Très ému et impressionné par les différents discours, le président Nathaniel Koti appelle à l'unité entre les fils et filles d'Agoni. Je voudrais dire à nos pères de nous aider à nous mettre ensemble, de nous aider à vivre la vie de famille. S'ils ne veulent pas le faire, nous autres, nous avons déjà pris l'engagement de rester ensemble et de bâtir notre cité. Au vu des nombreuses actions entreprises dans la localité, le président Koti a été élevé au grade de citoyen d'honneur de Wenhi par le Haut Conseil des Sages, appuyé par les élus locaux. Félicitations, monsieur le président. Très joli. Regardez. Merci. Les élèves du CEG Vessamé font partie des meilleurs aux différents examens dans ce département. Les bénéficiaires de ce joyau promettent en faire un bon usage.